l'homme avec lequel elle peut passer le reste de sa vie. À présent, nous sommes en 2022. La petite Diana est devenue maintenant un joli petit bébé de 18 mois. Alessia continue de fréquenter Mario Angelo. La relation, comme je l'ai bien souligné, n'est pas sérieuse, sauf dans la tête d'Alessia. Le mercredi 20 juillet 2022, vers 11 h, les secours du 118 reçoivent l'appel désespéré d'Alessia Piffery. Elle est complètement chamboulée. Elle explique qu'elle vient tout juste de rentrer chez elle après quelques jours d'absence et elle a retrouvé sa fille morte dans son lit. Ma petite était avec la babysitter qui s'est tout bonnement volatilisée. Les secours arrivent sur place 10 minutes après et effectivement... Bonjour, bonjour, bonjour. Je profite comme le matin, je fais encore pour la faire des petites emplettes. C'est le soleil qu'on fait comme ça là. Si ça coupe, ce n'est pas grave. Ça doit couper parce que c'est pas depuis là. Ça dérange. Bon, j'ai dit que je vais devenir encore une cacheuse. Au père, comme avant. J'avais laissé les caches. Je ne cache pas tout le temps. Je vais redevenir parce que je pense que les gens m'ont oublié à Facebook. Je pense que je redeviens comme avant. Une vraie cacheuse. Parce que nous nous sommes dit qu'on s'améliore dans nos choses. Mais je crois que je suis persécuté par certains petits individus qui sont avec les Bamileke là. Les Ntinda là. Les Ntinda de la toile. Toujours insulter les gens mendiants. Vous-même, vous êtes la famille, peut vous tuer. Tout le monde, vous savez, chaque personne, vous avez le droit d'aller où vous voulez. D'être avec qui vous voulez. Ce n'est pas parce que vous avez décidé que. Surtout toi, de comment tu as décidé que toi, tu es avec tes soeurs Bamileke. Que tu crois que parce que tu es avec que tu es supérieur, tu n'es rien. Tu n'es supérieur à rien. Tu n'es même pas Stambrakata. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu attends, non? Vous parlez de ma cuisine. La cuisine du mensonge. De comment tu me disais combien ici? Quand tu venais souvent ici, maman, je crois que tu m'aimes quelque part, mais tu n'es pas mon genre d'homme. Tu attends, non? Tu es petit, tu es fétiche, tu es laid avec la bouche qui sent. Les chiens, les caca. C'est quoi ton problème? Tu parles comme ma chose, tu passes. Je sors d'abord d'ici. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'est quoi? Non. Hé, hey, maman. Elle est sortie sans les clés. Non, heureusement que. C'est quoi? C'est quoi ton problème? Tu n'es pas venu ici plusieurs fois. Hein? Tu veux vraiment dénigrer Bituma, les machins. C'est quoi ton problème avec. Laisse mes asticots, je suis ma asticot. Mais. Tu parles aux machins, tu laisses. Tu vois que tu peux me conseiller toi aussi. Un gars, un bas de ton, de 5 à 8 ans qui vit encore dans la cuisine de H&M de sa mère. En Europe, qui n'a pas de maison. Tu n'as pas de maison toi-même. Tu parles de ma maison. Mettez le cœur, j'ai demandé que vous mettez le cœur.
Je vais alors crier sur toi maintenant chaque jour que tu as créé. Peut-être que là, tu peux avoir un bon bloc. Si ça coupe, ce n'est pas grave. J'ai dit de mettre les queues, pardon. Je suis quoi? Je reste avec les miens. Tout d'un quoi? Les réseaux sociaux-ci. Aux gens des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux qui sont tribalistes là, vous ne valez pas la peine. On se moque de vous. Quand ils font leurs choses, ils font leurs choses seuls. De comment Mungo, tu supportes une femme hein, qui a volé l'argent des gélules d'une fille bêtise Kaïsé Yenga. Tu supportes une femme qui a volé mes 300 euros. Tu supportes le mensonge que m'a dit que ma cuisine a fait ceci. Tu supportes les gens qui ne peuvent même pas. On te demande pourquoi tu es avec eux. Hein? Tu as déjà vu un Bamika me supporter un jour. Tu as vu me supporter. Les Bamika ont dit qu'elles sont, elles sont entre eux, les Yamsoeurs Bamika. Toi, tu es Yamfrère et Garnon. Tu es Yamfrère quoi? Tu fais quoi avec eux? Voilà Robert Onganou qui atomise les quoi là-bas, qui atomise les bêtises, les boudous. Jusque là, tu es avec eux. Tu penses que c'est en soyant avec eux, c'est là que ta vie va changer? Hein? Tu vas tu être un petit raton avant derrière que. Bon, c'est ton choix, mais ce n'est pas mon choix. Donc maintenant là, danse comme tu danses à route là. Reste avec eux. Quand quelque chose me concerne, tu ne parles pas. Hein? N'est-ce pas là aussi dit que là, c'est elle qui a fait la cuisine de Lolo. Parce que c'est devenu une employée de cuisine. C'est elle qui fabrique les cuisines. Je ne sais pas aussi si c'est la vérité. Hein? Parce que pour moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas si la femme-là m'a aidé un jour. Peut-être qu'elle m'a aidé hein, et que j'ai oublié dans mes sommeils. Oui, on est tout ici. Non? Je encore ça, je vais prendre ça. Donc, c'est sur nos débarras. Là, soit je joue ici au débarras. En tout cas, moi aussi c'est ici, on va voir tout à l'heure, ça marche. Quand on tourne le bâtiment, ça donne les 5 minutes. On part d'abord, on va revenir. Tu, maman, c'est quoi? Mais belle Jay. Merci, on a, mais belle Jay. Un homme de ton âge, de comment tu vis encore la cuisine de ta mère. Tu vis encore chez ta mère et tu me parles moi. Hein? Un homme qui est là, ses enfants sont les papiers partout. Un homme qui est là, tu as tes deux filles au Cameroun. Hein? C'est quoi ton problème? Moi je parle fort dans mes asticots chez moi. Bitoumou. Bitoumou, parle chez elle. Dans sa cuisine, la gloire heureuse. Hein? Je ne te dois rien. Ah! Il fait le direct. Tu ne peux pas analyser ma vie. Je baise avec qui je veux. Si il m'amuse avec mon copain, s'il dit qu'il veut seulement me lécher, ça fait quoi? Ça te dérange où? C'est toi, tu baises, c'est toi qui baises avec moi. Hein? Tu es focalisé hein, sur moi, hein? Et quand il va commencer à te framponner, on va me dire, Haka, c'est ton frère, ce n'est pas mon frère. Maman! Tu vas où? Bonjour, ça va? Tu travailles ici? Ouais. Ah, je travaille au chantier. Ah ouais? Ouais? Donc tu es là et tu es là aussi? Ah ouais, les deux. Eh ben c'est bien. Je pense que je te donne un peu d'argent. Ah, hein? Je me donne un peu d'argent.
Eh, maman. Parce qu'il ferme ici. Tu as vu? Voilà les vrais gens. Il a son tabac ici, mais la semaine, ses amis l'ont demandé de venir travailler là-bas avec eux. Ça lui fait un peu d'argent. Je ne suis pas sociable. Je me demande à quel niveau je ne suis pas sociable. C'est marrant, hein? Je me demande à quel niveau je ne suis pas sociable. Moi, je raconte les gens, je dis bonjour, bonsoir, bonjour. Ha! Les deux gens-ci. Vous allez bien? En tout cas, tu m'as fait deux faux bons. Le truc, c'est rapporte l'argent. Hein. Être décoratrice, ça rapporte l'argent. Hein. Parce que je réfléchis vraiment à ce que je veux faire. Parce que moi, je peux pas commencer à faire la décoration. Hein. Kenny Yuna mettait les cœurs. Mais que, dès que moi, tu me prends pour qui? C'est quoi ton problème? Mais attends. J'ai ma petite vie qui ne dérange personne. Moi, je suis chez moi. Ouais. Maman, tu pars où? Habillé comme ça, maman. Hey! C'est ta nouvelle voiture là-bas? C'est ta nouvelle voiture? Ah, tu parles loin. Hein? Ah. Non, non, non. Moi, je suis ici. Je vais acheter un truc là. Tout à l'heure, hein? Merci. Ah. Que va. Et ça, même quoi? Tu peux acheter même. Pardon, oublie-moi. Reste avec tes bamiléke. Avec toi, Linda Monori. Voilà les deux gens sur Facebook qui détestent leur enfin quoi. Vous pouvez vous rallier avec les qui? Moi, j'ai faim, non. J'ai soif, non. C'est vous qui m'envoyez l'argent. Tu vois une grosse menteuse vient s'asseoir sur Facebook pour raconter des histoires de cuisine parce qu'elle était chez moi de moment là. Elle dit des choses, elle vient mettre. Vous, tu viens parler, vous parlez quoi de ma vie? Hein? L'argent du contribuable camerounais. Et je pleure que, oh, aide-moi, Koulagro, aide-moi, oh, les pleurs de ça. Hein? Quelqu'un vient, quand demain tu venais chez moi, tu ne finis pas ma maison. Hein? Je suis bordélique, je sais. Dès que tu entends ma chose, tu vois que tu entends ma chose, tu passes. La dernière fois, quand j'ai appris qu'on t'a chassé du travail, hein? J'ai appris ça. Tu as commencé à bavarder, wow, ici là. Tu m'as entendu parler ta chose. Je n'ai même pas parlé pour toi. Je ne me suis même pas intéressé à ça. Les gens t'insultent partout, sur que c'est tranquille. Toi, tu es là, tu veux que je suis ta moins chère, ta brebis. Quand tu veux faire ton blog, c'est moi. Ton blog, c'est la veuve joyeuse. C'est quoi? Je te dois absolument rien. Je ne suis pas de ta famille. Hein? Je ne suis pas de ta famille. C'est comment? Tu te lèves le matin, c'est moi. Ton blog est devenu ce soir. Vous avez les sales blogs. De comment vous suis un homme, hein? Fais un blog comme le mien, c'est-à-dire que je parle seul. Je n'ai pas tout le temps besoin que les gens viennent entrer dans mes blogs pour parler. Mais toi, maintenant, vous avez déjà mal à refaire vos contenus seuls. Parce que dès que tu commandes le contenu, oh, les gens appellent. Oh, les gens appellent. Les gens appellent dans vos contenus, ça, c'est quoi ça? Hein? Tu en nommes toi? Hmm? Il faut le voir comme il tourne son petit sale corps là. Hé, hey, dites-moi. Franchement, ressaisis-toi. Sois un homme. Hmm? C'est quoi? Hein?
Tu as dit que tu as prêté allégeance. Quand tu frappes, on est fier de lui ici. C'est pourquoi tu peux encore toi-même encore tomber dans ses griffes. Maintenant, tu es déjà là-bas fort, fort. Tu es là-bas fort, fort. Tu dis que les gens qui ne sont pas dans les teams les plus forts des réseaux sociaux sont de quoi? Rien à foutre. J'ai dit et j'ai dit que les écans. Il y a une mate. Où c'est mate Reza qui parlait de moi là-bas, chez dans ton truc là. Madame, je ne te connais pas d'abord. C'est ça de parler de moi. Ils sont là tous les soirs pour décrypter les vidéos. Vous parlez de qui? Moi, j'ai mon fonctionnement. Bah oui. J'ai mon petit fonctionnement qui ne dérange personne. On a votre poissonnerie fermée. C'est fermé, dis-le quoi. Ah, hé. Hey. Maman, même la rabe est fermée. Oh. Je n'allais pas me planter chez qui maintenant? Ah, t'es. C'est juste maman. Mais si aussi fermé. Yeah. Tout est fermé. En ce mois d'août, c'est normal. Le mois d'août, c'est la déchet. Hein. Maman, tout est fermé. Hein. Chasse au travail. Où il fait maintenant quoi? Oh? Il est devenu décrypteur des vidéos. Le matin, il mange, il s'assoit. À midi, il s'assoit. Le soir, il est là, sur la même place dans la cuisine. Mais attends, tu es encore petit, tu es interne dans les réseaux sociaux. Tu parles même de Ducamel. Ducamel, lui, on sait même, on le voit même quand même. Hein? C'est quoi? Tu joues en train de dire que. Hein? Je suis bien comme je suis la seule. Ça montre que moi j'ai la poigne. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Ça montre. Toi, ça montre quoi? Ça montre un petit bâtard. Un petit fanfaron qui court derrière les femmes. Derrière des réseaux sociaux. Anti. Donc, je vais me prendre. Je vais passer un peu, prendre un peu d'argent là. Et c'est bien quoi, mon argent arrive quand. Et nous, on va me tuer ici. Ceci là, j'ai vu moi dans ma petite vie. Sans déranger personne, sans prétention. Mais chaque jour que tu as créé, il y a tous les petits rats, les petits bâtards qui parlent de moi, c'est quoi? Un homme dégueulasse, c'est la toile. Il dit qu'il est blogueur. Alors, tu as la chance que tes soeurs t'aiment bien parce qu'elles aiment le Congo, ça c'est tout. Bah oui. Quoi encore? Parce qu'elles aiment le Congo, ça. C'est tout. Je vais passer tout à l'heure. Elles t'aiment parce qu'elles aiment seulement le Congo, ça. Tu vois, les filles qui sont les bordels, les grands-mères, les grands-pères qui parlent là-bas chez toi sont les qui? Tu as fabriqué beaucoup de gens dans ton blog, non? Ne pas tu as fabriqué Nicole Ketcha. Aujourd'hui, elle est où elle est avec toi? Afro ma femme, tu as fabriqué Afro ma femme, non? Elles sont nombreuses là que tu as fabriquées. Aujourd'hui, elles se sont retrouvées où? Elles t'ont tous quitté. Elles font maintenant, combien que les chamales ici, les chamales aussi. Elles ont allé leur blog, elles t'insultent jusqu'à ce n'est même plus bon. C'est vous qui avez la chance ici à Facebook de fabriquer les machines. Uh-huh.
passez votre temps à fabriquer les monstres. Ils ont changé les magasins ici, ils ne trouvent rien de bon ici. Ah ouais. En tout cas. Voilà, je t'ai là. Je signale que si tu veux les clashs avec moi, I am the prêtre, hein. Si il y a trop prêtre même pour les clashs. Tu entends, non? Je ne te dois rien. Je n'ai jamais rien fait dans ma vie. Tu as ta vie. Tu as ta vie, j'ai la mienne. On est d'accord là. Je ne te demande rien. Tu fabriques même souvent les qui même. Tu peux me fabriquer, tu me trouves. C'est toi qui viens, c'est moi qui t'amène dans les réseaux sociaux de mon côté de Mbrakata. Pendant le Covid-19, je n'avais pas, j'avais toussé. Je n'avais pas lavé les mains, je continuais à préparer. C'est là que tu as commencé à me framponner. C'est comme ça alors que moi je te réponds et je te reçois chez moi. Hein? Tu deviens dans le truc de Mbrakata, tu entres dedans. Je t'ai jeté. Tu as jeté qui? Hein? Un petit bâtard. On te jette, dès qu'on t'a jeté, je t'ai jeté, tu es parti où? Tu es parti dans les jupons de nos pipi. De nos pipi, t'as récupéré qui? Tu as fait le tour de la toile. Vous tous, vous avez fait le tour de la toile. Nous tous, on a fait le tour de la toile. Hein? Tu es plus connu que moi. Hein? Je te pose une question. Tu as ta vie là-bas, au Havre. Moi, je ne m'en pas ici à Surense. Moins de reste, sirens. C'est quoi sirens? Te manque, tu ne viendras plus jamais chez moi. Tu viens faire quoi chez moi? Tu as choisi de rester avec tes bamilés, reste avec eux. Hein? Parce que tu sais que c'est là-bas qu'il y a beaucoup plus. Ils donnent alors quoi? Mais t'as déjà payé. Je te demande, hein? Pourquoi tu me lâches? Tu es là, tu scrutes. Mes faits et gestes. Mes faits et gestes. Tu crées ton bloc pour ta soeur Betty. Hein? Je suis Betty. Parfois, je fais même 2 mois, 1 mois. Même ça, même penser à toi. Cet imbécile de quoi mourir, tu devais mes jupons. C'est quoi? Je ne peux pas rien savoir, toi. Oui, tu me caricatures partout. Là où je suis laide, là où je suis moche. Tu me caricatures partout. Que tout le monde voit comment je suis laide. Hein? C'est quoi? Dès que tu entends ma part de choses, si ça, que ça soit vrai ou pas. Je dis bien que ça soit vrai ou pas. Dès que moi j'appuie pour me dénigrer. Hein? Heureusement que les petits bordels qui me sont soit là-bas, vous me. Bon, quand je vous attrape, je vous bloque seulement. Les gens sont là-bas. Vous avez vos vies. La vôtre, j'aurai dans sa petite vie. Tranquille, je ne dérange personne. Je dis bien personne. Que j'ai des amis ou pas, ça ne vous regarde pas.
Toi, depuis le bavard, il bavardait seul. Ouais, pauvre joyeuse. Toi, depuis le bavard, il bavardait seul. Je disais que chaque jour, bitouma. Ok. Mais j'étais là quand on a trouvé ma maison. La chaleur qui fait si. Vous laissez seulement un peu les graines de riz même se poser. Vous sortez même une nourriture que si vous ne mettez pas la nourriture au congélateur ou au frigo, la nourriture se gâte là là là. Hein? Vous versez seulement les graines de riz à la poubelle. Vous allez rêver. Le temps que vous êtes au salon, ça y a proliféré. Les achats arrivent. Hein? Un homme comme toi, de comment tu vis? Tu vis à ton âge, tu vis dans la cuisine de ta mère. Dans un HLM de ta mère. Tu es content que ma maman, je vis avec ma mère, je vis chez ma mère. Moi, je ne vis pas chez ma mère. Moi, je vis chez moi. Dans ma cuisine glorieuse, dans mon garde de la République. Hein? Moi, je vis chez moi. Je dis bien chez moi. Hein? Toi, tu dis, on dit Jean de comme amoureux. Dis, chez madame telle. C'est quoi ton problème? Matin, midi, soir, veuve joyeuse, bitumam. Tous les noms sont partis. Ma asticot. Parce que vous êtes tous jalouses de moi. Ça, c'est la jalousie. Billon, bilolo. Non. Les seuls gens, les gens de reste que c'est pour me ridiculiser. Me ridiculiser avec quoi? C'est là qu'ils sont ridicules. Parce que je les accueille chez moi. Hein? Je les accueille chez moi parce que je suis une femme intègre. C'est tout. C'est là qu'ils sont ridicules. Parce que quand tu arrives chez moi à n'importe quel moment, je te reçois comme il faut. Tu as un lit, tu as le couvert. Tu attends, non? Tu as le lit et le couvert. C'est ça les gens comme moi que Dieu aime. C'est là qu'ils sont ridicules. Tu attends, non? C'est eux qui sont ridicules. Parce qu'ils viennent chez moi avec deux cœurs. C'est pas pour me ridiculiser, c'est pour se ridiculiser eux-mêmes. C'est quoi? Ou c'est ce que tu voulais écrire? C'est pour moi, c'est eux qui sont ridicules. Moi, ils ne me ridiculisent pas. Ils se ridiculisent eux-mêmes. Vous venez chez quelqu'un, la personne vous ouvre la porte. Vous savez ce qu'on appelle le souper ici en France? Quelqu'un ouvre la porte, tu donnes un lit pour dormir. Il se lave chez toi avec tes savons. Hein? Il se suit avec tes serviettes. Ils mangent ta nourriture. Ils voient ta télévision. Et c'est eux qui vont te placer à la télé. Qui vont te placer à Facebook. Entre eux et moi qui est ridicule. C'est eux qui sont ridicules. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec moi. Hein? Quand des coups revenaient souvent chez moi, ils dormaient. Ils étaient heureux. Hein? Est-ce qu'ils parlaient fort? Dès qu'on avait d'abord pris. Les gens ont d'abord pris son premier compte. Je l'avais appelé que. Fais attention, on va prendre ton compte. Hé hé, ça n'a même pas duré, on a pris son compte. Hein? Même pour la monétisation, il me demande que, il veut monétiser sa page. Je dis que, mais, n'est-ce pas, tu es maintenant avec le long Fondja? Parce que sa page monétisée là, il ne gagne rien. Je ne sais pas, il ne gagne pas l'argent. Donc, il fait le direct là-bas comme ça là. C'est pour ça que tu entends. Il ne veut pas qu'on donne les étoiles. Parce qu'il ne gagne pas. Il avait causé avec moi. Comment on gagne quoi? Il ne gagne rien. C'est pour ça que tu ne veux pas attendre que, envoie-moi les étoiles comme avant. Non, il ne gagne rien. Il a son argent bloqué là-bas. Sur Meta. La personne qui avait monétisé sa page avait mis sa. C'est horrible. Donc lui, il travaille pour rien. Comme vous le voyez là. Et comme là, j'ai un peu les gens dans son blog là. Il a déjà un peu les gens dans son blog là. C'est pour ça qu'il ne peut pas lâcher. Mais oui. Dès que moi, je ne gagne pas moi. Donc tout le monde n'est pas pareil. Et mon gars, la République va toujours être ouvert à tous ceux qui veulent venir à Paris. Oui. Donc voilà. Moi, je suis seul. Dès que moi, j'ai deux chambres. Oh. Deux chambres. Je vis seul. Ouh.
Regarde la gloire glorieuse. Mais il cache les choses. Parce qu'il vit d'abord seul. Il ne veut pas seul. Il cache les choses. Parce qu'il y a un souci chez eux. Tu comprends un peu? Ils ont le choix. D'autres vivent dans les greniers ici en France. Dans les greniers. C'est eux qui parlent aux gens. Dans les gîtes, je viens dans les greniers. Voilà. Les vieux sont ici en France, ils vivent dans les greniers. J'ai dit, ils n'ont pas me laisser tranquille. Je suis ta femme. C'est quoi? N'est pas toi que tu es la plus belle femme du monde. Oh non, que tout le monde est drague. Je peux coucher avec toi. Tu connais mon style d'homme. Est-ce que tu connais mon style d'homme? Ne venez plus à Londres, mon gars, ça fait quoi? L'enganda a des problèmes. L'enganda a des ceci. Laissez, ne venez plus alors, mais ma porte sera toujours ouverte pour ceux qui veulent venir. Qu'est-ce que c'est ça? Tu crois qu'on est formé un duo? Que les sables les filles bambiques là? Jamais! Toi tu es là, tu fais travailler leur blog. Eh tata nene, la cœur ouvert, mais bébé là, ni lolo, ton yom. Hein? Tu as déjà vu un gars bêtis faire ça à Facebook? Un gars bambique fait ça à bêtis? Il y a le moyen. Zombo. Chanter ici que oh ma joyeuse, je t'aime, oh ma joyeuse, donc ne tata le nez, je t'aime, tata, wouhou, hein, la carte qu'on donne, que celui-là est parti chez quoi avec eux là-bas, tata le nez, tata le nez, tata le nez, bébé là. Un jour, elle peut vous soutenir. Maintenant, en tout cas, on soutient ceux qui nous soutiennent. Hein. Quand elle ne soutient personne, elle ne soutient personne. Il y a que elle, ce qu'on doit soutenir. Donc, j'espère que tu as payé ta robe. Parce que comme tu es une femmelette, il te faut une robe. J'espère que tu as payé une très belle robe pour porter le jour-là. Pour porter ce jour-là. C'est maintenant que tu viens faire tata lolo. Maman, c'est normal, ce sont tes grandes soeurs. Les grandes soeurs de la boisbaise des réseaux sociaux. Tata lolo, tata lolo. Elle dit qu'elle est devenue femme battante. Elle a la moussou la jeune de Kaïsé Yenga. Quelqu'un va mourir dedans, hein? Les dues escrocs viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour escroquer dans les réseaux sociaux.
soigne. On soigne, on soigne. Je dis qu'on soigne. Nous, nous sommes chez nous, qu'on soigne. Bébé, là. Réveille-toi, mec. Réveille-toi. Elle peut faire ça pour toi. Tu ressens toujours un petit bandeco. Bandeco. Avec eux. Ils ne pourront jamais te valoriser un jour. Tu as donné tout pour eux, rien pour les autres. On est mon bandeco. Tu travailles à la commission ou à la solde de qui? Hein? Demande-leur de t'arranger ta page, non? Demande à ce barbecue là de la tour d'arranger ta page. On va voir. Comme tu es avec eux, tu es leur esclave. Ok? Oui. Elle vous traite d'un quoi tous les jours. De ton groupe de rien. Surtout les deux tribalistes là. Pipi et Nkokam. Les gens hein, que derrière. Elles disent que Ayam Sir, Bami Power, tu entends, non, toi tu es là, tu cours derrière le Bami Power. Un est quand? Un dit qui c'est quand? Un mougou, tu cours derrière le Bami Power. Vraiment? Les Bami Power. Hmm? Quand tu parles comme ça, tu entends que la femme là est trop tribaliste. Non, il n'y a pas de tribaliste dedans. Quand vous ne connaissez rien, taisez-vous. Voilà. L'intinda, l'intinda adoré. Nous sommes en camp aujourd'hui. Moi, j'arrive à te récupérer tout à l'heure. Parce que je suis sorti tôt. Je parle ma part ici à Facebook. La personne qui ne veut. Vous savez. Dès que moi, je suis une chef, je suis une patronne. Tu entends, non? Regarde le bâtard qui parle de moi. Bébé. Tu m'insultes pourquoi? Hein? Hein? Tu es ton blogueur seul comme tu faisais avant. Tu peux faire blogueur seul, non. Parce que si que tu tentes de faire tchak à lolo, maman, on va encore prendre ton compte. Tu es leur esclave. Tu es leur esclave. Fais tchak. Hey, frère Béli, tata le frère, hey, regarde un bêtis. Esclave, un tobo. Un tobo. Ton nouveau nom, c'est un tobo. Tu travailles pour quoi alors? Qui a fait ton blog aussi? Quelqu'un fait ta page, c'est lui-même qui met les ribes. Maintenant, tu travailles là pour rien. Chaque mois, moi, il m'a fait la banque, couillant. Tu m'as pas de 200 euros là-bas, 150 euros là-bas, je prends, je mange avec. Toi, tu travailles, c'est quelqu'un d'autre qui prend l'argent. Hein? J'ai besoin d'être comme vous. Que quand vous êtes en direct, vous parlez de moi. Je te laisse parce que tu es un blogueur. Sinon, je te bloque parce que tu ne sais à rien. Hmm? On t'a dit quoi? Il fait chaud dehors. Chaque personne fait sa part. Tu dis que je suis parti faire les lèvres. Quelles lèvres?
Ça, j'ai un tatouage à ta gouverne. Ça, c'est un tatouage que j'ai fait depuis des années. Mais comme ça finit déjà, je suis partie faire le aîné. Tu entends? Le aîné, c'est quelque chose que je fais souvent quand les femmes font, on te trace comme ça, là, ça a mal passé. Ça s'est mal passé. Parce que c'est devenu allergique. Tu dis que, oh, je veux aussi aller me tatouer comme les autres. Oh, mes lèvres ont fait ceci. C'était une allergie. C'était une allergie. Tu vois, je vais aller faire les lèvres par rapport à quoi? Hein? Ça, là, j'ai fait avant tous les filles, là. Les seins, j'ai fait en 2003. Quand les filles ne me même pas, les refaire les seins. J'ai conçu au Cameroun avant toi. J'ai les biens au Cameroun avant toi. Je t'ai dit que la gueule que tu fais sur moi, là, tu me laisses tranquille. Donc, on doit donner aux autres, ne me donne pas aussi. J'ai eu ma cuisine, Rora. Fais la cuisine de ta mère. Tu es un blogueur, non? Demande aussi au blogueur. Voilà le Sonia. Me qu'on a payé les terrains là-bas, les pompes là-bas. Toi, tu vas sortir au Cameroun. Tu vas sortir de Facebook et là, et là, pourquoi? Alors, quand ça ne va pas, tout le monde commande à Facebook. Donc, il n'y a que moi, c'est que quand je demande, on ne doit pas me donner. Celle-là qui vient faire les coloris, là, c'est toi qui me fais station de. J'ai dit qu'elle, vous n'allez qu'à arranger ma maison. Vous n'allez qu'à arranger ça. Que quoi? Voilà Pipi là-bas qu'on a fait sa cuisine. Tu parles de ça? Tu parles de la cuisine de Pipi, la cuisine témoin là. Welcome to the kitchen. Hein? Le voilà qui erre là-bas au Cameroun. Soit disant les femmes battantes. Une femme battante qui vole l'argent, qui vole l'argent de Jésus, là, une autre femme battante. Une vraie femme battante. Et toi, tu es là avec eux. Tu ne défends pas Kaïsé Yenga. Kaïsé Yenga, c'est ta soeur Betty, non? C'est pas notre soeur Betty. Nous, on a défendu comme on a pu. Hein? Défends-le aussi pour une fois. Essaye un peu. Le bannier qui te commande là-bas, on prend ta page une fois. Petit chien, rate. Un tobon, il y a Facebook. Le gars, c'est un vieux con. Regarde-moi ce vieux con. Quand ça ne va pas, on te lâche. Il partait tout chez l'autre là. Celui qui a des là. Il partait là-bas. Pour faire quoi? Après, on revient encore chez toi. Quand il voit sa maison, il dit que ouais. Alors, on peut chez les petits troubadours de comme là. Tu t'assois alors. Dis tout ma matin, ça ne fait rien, mon ami. Tout le monde te dit ah bon. N'est-ce pas? C'est tout le monde qui. Même le tapis, il venait chercher, c'est parce que c'est vous qui avez payé. On paye tout chez moi ici. Même l'air, c'est vous qui me payez l'air là. Même tout ce que j'ai, vous me payez. Un tombeau. Un tombeau me parle. Tu sais pas que je suis quoi. Mon mari était même quoi au Cameroun là. Il était. Les gens de la chefferie là nous appellent comment? Notable, je suis notable. Tu viens parler à une notable, hein? Mon mari était notable au Cameroun, hein? Tu sais pas ça? Imbécile, je suis notable, moi-même. On en tombe. On te chasse ici, on te chasse là-bas. Tu travailles pour qui? Tu travailles pour eux. Parce que c'est eux qui sont de l'eau qui a monétisé ta page. Et eux, c'est eux qui ont mis, ils ont mis leur rib. Viens parler de ça. Parce que le jour, si tu gagnes quelque chose par moi, quand tu vas tirer l'argent du métal là, hein, ce que tu montres, c'est que moi, voici, quand je prends mon argent de métal, les gens l'attendent uniquement pourquoi? Parce que tu les fais rire. Tu les fais rire avec les dons des gens comme pour moi. Comment est-ce que tu m'as? Toi, on est quitte. On est quitte. On t'envoie à Facebook. On t'envoie à Babamileke. Tu as attendu comme bêtis un tombeau quelque part. Voilà le premier bêtis qui est un tombeau. Virtuellement et dans sa vie privée. Un tombeau. C'est toi, c'est ton nouveau nom. Les esclaves. Un tombeau. C'était blessant quand je disais ce mot-là. Hein. Tu parles de mes lèvres. Tu peux sucer ma bouche. Tu connais avec qui je baise. Tu connais ma maison aussi. Un espèce de tombeau. C'est comme ça, moi je commence le matin. Les gens sont pour voir leur vie. Toi tu es là matin, midi et soir. Tu t'assois. Va. Éduquer. Tu vas pas. Je t'exige, je t'ordonne. En tant que. Ouais, je ne connais plus encore.
Ouais. Le plus marquant le nom là que j'ai dit tout à l'heure là. En tant que ton supérieur hiérarchique des réseaux sociaux. En tant que. Ouais, le nom là, je viens de. Si j'ai dit quel nom là. Les gens qui commandent là. En tant que notable. Hein? Quand je parle comme ça là, quand je crache, toi, tu essuies ton sale visage avec. Pour être un peu beau. Je suis madame la notable. Tu entends, non? Depuis quand les esclaves parlent aux gens, à leur chef? Depuis quand? Un tobo. Il y a une manière. Un djinga béti qui est devenu un tobo sur les babilles à Facebook. Wouh! Que l'on se dit wouh, 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 wouh. Il y a un tobo de Facebook. Et peut-être sauter la bienvenue tout à l'heure. Tu vas voir. Dès que tu attends une histoire qui n'est même pas vraie. Tu es là sur moi, Bituma, Bituma. Comment est-ce que Bituma? Bituma veut dire mes asticots. Toi, au nom de Tombo, ça veut dire esclave. Un Tombo. On est déjà. Tu parles ma chose, tu passes. C'est quoi ton problème? Quand on t'a chassé du travail ici là, tu m'as vu parler? Est-ce que tu m'as vu parler quand tu as cherché du travail? Oh, je m'avais récupéré mon argent, je riais seulement. Tu m'as vu parler? Tout le monde a parlé ici à Facebook. On se moque de toi partout, sauf moi. Mais dès que tu apprends souvent ma petite chose, tu analyses ta vie. Tu analyses ma vie, c'est quoi? Tu me laisses tranquille. Quand votre théâtre, quand il te frappe, tu vas me faire quoi? Voici nous là, on vient. À famille Dieu. Petit chien, petit rat d'égout. Et te dois. Toujours dans le Congo, ça. Vous allez me faire quoi? Rien. Je suis chez moi. Mais bon, je dis. Toi, tu peux me faire quoi? Toi, si. Quelqu'un qui vit un gaillard comme ça là. À ton âge, tu dois aller avoir ton appartement. Tu n'as pas d'appartement. Tu vis dans la cuisine de ta mère. Donc, ton voisin vit dans la cuisine de ta mère. La cuisine rouge. Hein? Que tu n'as même pas fait la peinture de ça. Rien. Tu ne vois pas ta misère toi-même, mais tu viens voir ma misère. Tu es un gars miséreux. C'est quoi ton problème avec moi? Et quand tu me caricatures, moi c'est ta peau aussi. Je vais récupérer toutes les photos. Tu sais que je fais des allergies. Hein? Ça peut arriver que quelqu'un fait une allergie. Pour toi, ce n'est pas ça. Tu me prends comme sur le baptême. Tu es malade. Tu parles d'un notable. Hein? Je suis notable. Un tombo. C'est qui? Les Bamileke. Enfin, les Bamileke, là, un tombo. Ils ont des esclaves bêtis. Criant sur lui. Jacques de Komamougou, le tombo de Bamileke est là-haut. Bienvenue, Yaya To. Le tombo de Facebook, c'est quoi? Tu n'as pas honte en nom de ton âge? Tu vis chez ta mère? Et tu me parles, moi? Hein? Tu fais ton blog avec ta. Je suis ta patronne. Pas peur pour le compter, je suis ta patronne. En tout. En tout, fais venir tes enfants, non? Hein? Ça compte ce que tu as. Maman, ta vie était sortie ici. Hein? Un petit peureux comme toi. Tu veux donner un coup de poing à quelqu'un? Un soulard. Ne venez plus manger chez moi, ne viens plus chez moi. Tu ne viendras plus jamais chez moi, je ne te veux pas chez moi. Je ne veux pas les esclaves de Bamileke chez moi. Je veux des gens intègres chez moi. Un tombe le matin, un tombe le soir. Tata lele, hé tata lele, hé tata lele, hé, quand camo, oh maman, ils vont te valoriser quand? Il faut le voir le jour qu'il avait donné le bisou en quand camo là-bas. Il fallait le voir, il était comme s'il était aux anges. C'est pas moi qui t'ai mis en contact avec ces gens-là, ce n'est pas moi aussi. Hein? C'est pas moi qui t'ai fait parler avec un camo ici là, ce n'est pas moi. Qui a arrangé entre toi et quelqu'un comme ça, ce n'était pas moi. Ça montre, tu allais prendre ton numéro où? Chouin.
à Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre. 3 policiers ont été hospitalisés, 8 personnes ont été arrêtées. Ces émeutes menées par des militants d'extrême droite font suite à la mort de 3 fillettes lundi à Southport, dans le nord du pays. À Paris, la soirée d'hier a été riche en émotions et en victoires pour les tricolores. L'image d'abord de 3 Français sur le podium du BMX, Joris Daudet, Sylvain André, Romain Mailleux pour les nommer, ont dominé du jamais vu depuis un siècle. Du côté des bassins, 4e médaille pour le nageur Léon Marchand, vainqueur du 200 mètres, 4 nages. Et puis sur le tatami, la revanche pour Teddy Riner. Cédric Ferreira nous en dit plus. Cette journée historique pour le sport français avait d'abord commencé avec le sacre de Teddy Riner. Le roi Teddy a récupéré son trône après son échec à Tokyo il y a 3 ans en quart de finale. Teddy Riner qui est devenu le seul judoka de l'histoire à posséder 6 médailles olympiques. Bravo, bravo, Teddy Riner. Et le seul aussi avec 3 médailles d'or dans sa catégorie des plus de 100 kilos. Une journée qu'il a totalement maîtrisée de bout en bout. Teddy Riner, il avait entamé une préparation spécifique pour ses Jeux de Paris. Une préparation qui a donc porté ses fruits et il a explosé de joie après sa victoire finale, poussé aussi par un public à l'Arena du Champ de Mars totalement acquis à sa cause. Une joie collective de Teddy Riner et aussi de Romain Dico, médaillé de bronze. Teddy Riner, on va le retrouver ce samedi, cette fois pour la compétition par équipe. Et l'autre fait marquant de la journée, c'est évidemment le 4e titre olympique de Léon Marchand en une semaine. Ouais, les vrais hommes noirs, pas les hommes noirs qui sont dans les cuisines pour insulter les femmes matin, midi et soir. Même la fatigue après toutes ces finales ne semble pas avoir d'emprise sur le nageur français de 22 ans et lui aussi n'a peut-être pas terminé sa moisson de médailles puisqu'on va le retrouver dans les bassins dès ce samedi pour le relais 4 fois 100 mètres 4 nages mixtes. Léon Marchand qui avait profité aussi de cette ambiance de l'Arena de la Défense, mais avant cela il y avait un autre homme qui avait enflammé cette salle, c'est Florent Manaudou, médaillé de bronze aux 50 mètres nage libre. 4e médaille consécutive pour le nageur français. Lui aussi, il a vieilli, dans les bassins ce week-end. Il devrait participer au relais 4 fois 100 mètres masculin. Et enfin, un dernier exploit, celui de l'équipe de France de BMX Racing. Cela faisait 100 ans qu'on n'avait pas vu un podium 100% tricolore. Joris Daudet a été sacré champion olympique devant Sylvain André et Romain Mailleux. Ces 3 riders qui faisaient déjà partie des meilleurs du monde, ils étaient favoris. Mais entre le statut de favori et l'assumer ensuite sur la piste, il y a un pas qu'ils ont franchi. Ils rentrent donc dans l'histoire avec 3 nouvelles médailles. Au tableau des médailles, justement, la France occupe la 2e place avec 11 médailles d'or et 36 médailles récoltées au total. Seule la Chine devance les Français, la Chine qui est pour l'instant au tableau des médailles. Et porté par les performances des athlètes, les Français se prennent au jeu. Ils semblent plus heureux que jamais, ces jours-ci, en tous les cas. Les Américains s'en étonnent, le Wall Street Journal s'interroge. Les Français ne râlent plus. Les journalistes du quotidien américain relèvent la bonne ambiance constatée ces jours-ci à Paris. Loïc Chalal. Fais un mot, merci. Des scènes de liesse dans des fanzones bondées. Un enthousiasme communicatif dans les rues parisiennes, une organisation louée pour sa fluidité. Après une période électorale compliquée et une certaine négativité autour de l'accueil des Jeux, l'heure est à la fête. Portée par des performances historiques, la France a déjà dépassé à mi-parcours son total de médailles par rapport aux Jeux de Tokyo. Il n'y a rien à dire, quoi. Quand on fait un triplé en BMX, quand Léon Marchand et cartonne, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire, tout va bien. Allez, bleu. C'était une ambiance de dingue, c'était incroyable. Franchement, Léon Marchand, c'est le roi. On est trop fiers d'être là. Enfin, vraiment, c'est fou, on est hyper fiers de lui et d'être français. Des sourires, de la fierté, même le Wall Street Journal le dit, les Français semblent avoir quitté pour un temps leur légendaire costume de râleur. Une parenthèse enchantée qui dépasse les frontières. Au-delà de l'Hexagone, la compétition suscite un intérêt plus marqué que les précédentes éditions. Signe là aussi que ces Jeux ne sont pas tout à fait comme les autres. Vous avez beaucoup plus d'audience, pas seulement en France bien sûr, ici les audiences atteignent des records, mais partout dans le monde.
Aux États-Unis, ce sont parmi les Jeux Olympiques les plus réussis de ces dernières années. En Chine, au Japon, dans le reste de l'Europe, c'est extraordinaire. L'euphorie suscitée par les Jeux reste toutefois éphémère. Selon une étude de la London School of Economics réalisée sur les JO de Londres 2012, l'effet positif des Jeux sur le bien-être de la population ne durerait qu'un an. D'ici là, profitons-en. Au Proche-Orient, en Cisjordanie occupée, au moins 5 personnes ont été tuées dans une frappe de l'armée israélienne sur un véhicule. L'armée indique dans un bref communiqué, je cite, qu'un avion de l'armée avait frappé un véhicule et une cellule de combattants opérant dans la région de Tul Karem, sans autre précision dans l'immédiat. Et dans le même temps, la bande de Gaza a bombardé sans relâche. 2/3 des bâtiments ont été détruits dans l'enclave, selon les Nations Unies. La famine s'est installée dans le territoire. Chaque temps, chaque temps. 500 000 personnes au moins sont confrontées à une grave pénurie d'eau potable. L'horizon d'une trêve semble plus lointain que jamais. L'assassinat d'Ismaël Haniyeh laisse craindre un embrasement régional. Les États-Unis prêts à déployer plus de navires de guerre et d'avions de combat pour protéger leurs troupes et leurs alliés et leurs alliés israéliens face aux menaces de l'Iran, du Hamas et du Hezbollah. Une foule immense dans la grande mosquée de Doha pour un dernier hommage à Ismaël Haniyeh, tué mercredi à Téhéran dans une attaque attribuée à Israël. Le chef du Hamas s'était réfugié au Qatar. C'est là qu'il sera enterré. Ce vendredi était un jour de colère dans les pays musulmans hostiles à l'État hébreu, au Pakistan, au Yémen, ou encore en Iran, où ils étaient nombreux à crier vengeance. Israël est assoiffé de sang. L'assassinat du chef du Hamas ne peut pas rester sans réponse. Ah ouais. Le monde islamique, et pas seulement l'Iran, doit réagir d'une manière ou d'une autre. Journée de deuil également à Beyrouth, en mémoire d'Ismaël Haniyeh et du chef militaire du Hezbollah, tué dans une autre frappe mardi dans la capitale libanaise. Et qui est mort? Hassan Nasrallah. C'est lui qui est mort. Se préparer à toutes les éventualités, le Premier ministre israélien a convoqué en urgence l'état-major de l'armée. Israël est à un très haut niveau de préparation pour n'importe quel scénario, à la fois défensivement et offensivement. Non, le type là, le type là, quelle que soit la reine. Une extension du conflit au Moyen-Orient, une hypothèse que n'exclut plus. J'ai une réunion très franche avec le Premier ministre aujourd'hui. Nous avons les éléments de base pour un cessez-le-feu. Nous devrions le poursuivre et il devrait le poursuivre maintenant. Les chances de cessez-le-feu sont-elles réduites à néant après l'assassinat de Haniyeh? Ça n'a pas aidé. Les échanges de tirs se sont multipliés aujourd'hui le long de la frontière entre Israël et le Liban. On va faire comment? Ça va s'arrêter un jour. 32 personnes ont été tuées dans un attentat à suicide. Les faits se sont déroulés sur la plage du Lido à Mogadiscio, la capitale. Le lieu est très fréquenté par des hommes d'affaires et des fonctionnaires. C'est un quartier muté. Ces faits ont explosé sur la plage. D'autres assaillants ont ensuite ouvert le feu sur la foule. 5 d'entre eux ont été abattus par la police. Ils étaient membres du groupe radical des Chebabs. On en vient à ces violentes manifestations à Sunderland, dans le reste de l'Angleterre. À l'origine de ces émeutes, une nébuleuse d'extrême droite mobilisée depuis l'attaque meurtrière de Southport en début de semaine. Armé d'un couteau, un jeune homme avait tué 3 petites filles dans un centre aéré de la ville. De fausses rumeurs avaient alors circulé le présentant suspect comme un étranger musulman. Romain Michelot nous en dit plus. Des centaines d'émeutiers qui affrontent les policiers. Le centre-ville de Sunderland, dans le nord-est de l'Angleterre, théâtre d'une nouvelle soirée de violence qui se multiplie depuis lundi et l'attaque au couteau qui a coûté la vie à 3 enfants à Southport, près de Liverpool. 3 policiers ont été hospitalisés. Le gouvernement promet de répondre à ces heurts fermement. Les émeutiers qui attaquent la police et qui alimentent le désordre dans nos rues paieront le prix de leur violence et de leur comportement des voisins. La police a le soutien absolu du gouvernement pour prendre les mesures les plus fortes possibles et s'assurer que toute la force de la loi s'exerce. Ils ne représentent pas la Grande-Bretagne. Car depuis lundi, c'est tout un climat de haine islamophobe qui se propage au Royaume-Uni. Lors de ses premières heures mardi,
la police a identifié des membres de l'English Defensive, un groupe d'extrême droite anti-islam. Depuis, les appels à s'en prendre à la communauté musulmane, et notamment aux mosquées, se multiplient un peu partout dans le pays. Alors ici, à des actes, ces habitants sont mobilisés contre ce racisme. Je ne veux pas voir de fascistes dans nos rues, c'est pourquoi je suis ici ce soir. Les gens qui sont venus l'autre soir, c'était tellement irrespectueux. Nous sommes ici aujourd'hui en signe de solidarité avec la communauté musulmane. Nous sommes terrifiés par les menaces qui sont proférées en ce moment. Ce n'est pas ce que cette ville représente. Partout dans le pays, la sécurité a été renforcée, aux abords des mosquées notamment, alors que la police s'attend à de nouvelles émeutes ce week-end. Et on revient maintenant sur les coulisses de cet important échange de prisonniers. Un accord négocié dans le plus grand secret, il a impliqué la CIA, le département d'État américain et la Maison Blanche, mais aussi plusieurs pays alliés comme l'Allemagne, la Norvège, la Pologne ou encore la Slovénie. Il est présenté comme le plus important échange de prisonniers depuis l'époque de la guerre froide. 10 individus transférés en Russie, 13 en Allemagne et 3 aux États-Unis, dont Ivan Gershkovitch, le journaliste du Wall Street Journal, détenu par Moscou depuis mars 2023. C'était formidable de monter dans ce bus et de voir un grand nombre de prisonniers politiques russes, et pas seulement des Américains et des Allemands. Je viens de passer un mois en prison à Ekaterinbourg. Tous ceux qui étaient assis à côté de moi étaient des prisonniers politiques, et personne ne les connaît publiquement. L'échange de prisonniers a été négocié dans le plus grand secret depuis plus d'un an en marge d'un sommet à Genève. Il a impliqué la CIA, le département d'État américain et la Maison Blanche, mais aussi plusieurs pays alliés, l'Allemagne, la Norvège, la Pologne et la Slovénie. En janvier, les choses s'accélèrent après un entretien entre Joe Biden et Olaf Scholz. Le chancelier allemand se retrouve au centre du jeu. Avec les Américains, il comprend très vite qu'aucun accord ne sera trouvé sans la libération du prisonnier Vadim Krasikov. Un agent russe condamné à la prison à perpétuité en Allemagne pour l'assassinat d'un opposant tchétchène à Berlin en 2019. Le meurtrier est un proche de Vladimir Poutine qui a appelé à sa libération pendant plusieurs années. Cet échange a suscité la polémique outre-Rhin. D'autant que Berlin militait activement pour la libération d'Alexei Navalny, l'activiste russe décédé en prison en Pologne. Pour la première fois, le Kremlin a reconnu que Krasikov était en fait un membre du FSB. Vadim Krasikov est un employé du service fédéral de sécurité. Il a servi dans la division spéciale Alpha. Il a servi avec certains membres qui travaillent désormais au sein de la garde présidentielle. En coulisses, un autre pays a joué un rôle important, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Dans son statut habituel de médiateur entre la Russie et l'Occident, encore une fois, le pays a servi de point de transit aux prisonniers avant qu'ils repartent dans leur pays respectif. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre attention. Restez attentifs pour le moment. Vos histoires inspirent l'avenir. Votre quotidien suscite l'actualité. Vos cultures, vos combats, vos réussites sont au cœur de nos programmes. Nous racontons ceux qui ont fait notre planète et ceux qui la construisent. Nous racontons le monde façonné par le quotidien de ceux qui le vivent. Actualité. On l'a découverte humoriste et chroniqueuse. Elle est d'ailleurs de retour sur scène avec son troisième spectacle où elle rit des travers de notre époque. Mais Nora Hamzaoui est aussi une actrice talentueuse qui s'est fait une place dans le cinéma d'auteur. Voilà les choses que tu dois. Pour à l'affiche, nous voilà que tu dois, à l'occasion de la sortie de Hors du Temps d'Olivier Assayas. Nora Hamzaoui, bonjour. Je vous remercie beaucoup de nous accorder un peu de temps pour parler de ce nouveau film d'Olivier Assayas. Alors, Hors du Temps, c'est un film qui nous replonge dans une période bien particulière,
celle du Covid, du confinement. Qu'est-ce qui vous a plu justement dans ce nouveau projet d'Olivia Sayas? Ce qui m'a plu déjà à la base, c'est que Olivier, c'est notre troisième projet ensemble et on est devenus amis. Et pendant le confinement, on s'est beaucoup écrit. Et moi, je savais qu'il était venu dans cette maison d'enfance, dans cette maison d'enfance, moi, j'étais à Paris, on était mon grand-fils. Et donc, c'est vrai que quand j'ai su qu'il avait posé par écrit des choses qu'il avait ressenties à ce moment-là, ça me touchait, ça m'intéressait. Je trouvais qu'on avait à la fois le recul pour pouvoir en rire un peu, mais que c'était aussi un prétexte pour parler des liens familiaux, de l'enfance, de la transmission. Il y a quelque chose qui me plaisait dans ce scénario qui venait revisiter un peu le passé, les souvenirs et la filiation à cause de ce prétexte-là. T'as le temps de passer à la boulangerie ? Je suis pas psychologiquement prêt pour la boulangerie. C'est ce qui me semblait. Je me suis dit que c'était un peu dur quand même après la journée. Essaye d'être patient avec ton frère. Le concierge fait... C'est ma soeur qui m'a donné ça en Suisse l'année dernière. Donc, je suis en train de classer mes choses dans ma cuisine, la gloire glorieuse. Venez alors prendre la cuisine, vous partez, on voit. Vous aidez les veuves.
les condiments de la Suisse. Je pars, je pars, je m'enfuis pas, je vole. J'aime ça beaucoup, hein. Voilà les condiments pour préparer, hein. Les condiments. Je vole. Comprenez bien, je vole. Je m'enfuis pas, je vole. Je vole. Les gens cherchent les vues en France. Elle est joyeuse, la cuisine. Je n'ai pas dû en la cuisine. Je pars, je pars, là je vole. Comprenez bien, je vole. Vous n'aurez plus d'enfants. Je pars, je pars. Qu'il y a là-bas. Ah bon, hein? Regardez, aussi, j'ai fait. Ouais, je n'ai pas pris de bombe. Quelqu'un se bat pour faire ces choses.
Parce que quelqu'un vient chez moi. Vous voulez monter vos miettes à Facebook. C'est moi qui a... Tu as fait quoi ici? C'est toi qui as percé tout ça là. C'est toi qui as percé tout ce qui est ici. Tu as donné quoi? Tu viens filmer mes choses, tu viens placer à Facebook. On aide la veuve. Vous aidez en quoi? Donc, on a décidé qu'ici à Facebook, on doit aider que les Babiléquins. Hein? C'est ça. Si quelqu'un met des sanitaires, un problème. Parce que c'est eux ceux qui nous font lui ici. Oui. Ils vont bavarder ici. Ching-ching pantalon, vous avez fait, vous avez fait la cuisine. Un ching-ching pantalon, elle ne peut pas dedans. Hein? Non, il ne peut pas dans sa cuisine là. Hein? Pardon, excuse-moi, il met fondé dedans. Elle cuisine là-bas, on ne peut pas cuisiner. Hein? Les gens commandent ici chaque jour que tu as créé. Les billets d'avion, on offre. Tout, on vous donne tout. Et moi, je vais vous aller. Vous n'allez que donner. Quand vous donnez aux autres, ma part aussi va vous allez me donner. Il manque encore des billets à faire. Donc, j'attends que vous m'envoyez l'argent pour les billets. Pourquoi? C'est moi qui ai fait ta cuisine. C'est fini? Il faut finir. Hein, Caroline, je t'attends. Là, maintenant, viens m'aider maintenant. Comment tu vas seulement absolument comprendre que c'est toi? Bon, je donne un seul rôle. Viens aider alors pour les dieux. Parce qu'il me faut une belle idée. Hein? Je veux une belle évier. On dit aussi pour moi pour l'évier. Parce qu'on sent qu'on a fini la cuisine. On veut la cuisine. Laissez ma cuisine comme ça, elle va finir ça un jour. Largement. Viens pour ma djé. Viens pour ma djé. Tu dois être content qu'on m'a donné quelque chose à veuve. Au contraire. La grande gueule qui sort. Hein, c'est grâce à moi. Grâce à qui? Tu veux me djé? Quelqu'un se clôture pour faire sa petite vie misérable ou pas de joie. Vous aimez seulement quand les gens m'insultent à Facebook. Oh, misérable, pauvre, veuve. Oh, elle est pauvre. Elle n'a rien. Oui. Ma cuisine vous choque. Ma cuisine vous choque. Venez alors prendre votre cuisine. Comme c'est vous qui avez payé. Dans le dénigrement, vous dénigrez tout. Vous sauvez même quoi à ce genre de personnes? Moi, je suis ce genre de personne, hein? Merci. Ce genre de personne. C'est ça. Comme tu m'aides, hein, maman Caroline. Comme tu m'aides, Dieu va te donner un centuple. Le bon Dieu va te donner son centuple. Sachez ça.
Les gens qui aident les gens bien placés, après, pour que je t'ai aidé. Tu sais le nom des gens que moi j'ai aidé dans ma vie. Hein? Tu sais le nom des gens que moi aussi j'ai aidé. Ça que vous m'accueillez ici, là, je parle. J'ai aidé les gens, hein. J'ai aidé les gens, hein. Toujours moi qu'on aide. C'est normal. Quand tu as le visage d'une pauvre, on doit que t'aider, non? Dungana ouvert. Non, mais pff, j'ai un problème. Je n'ai pas de truc. Tout est fermé. C'est où nous sommes au mois d'août, hein? Nous sommes au mois d'août, je n'ai pas de plantain, je n'ai rien. Putain, je regarde un peu si elle est bobo là encore. Comme j'achète souvent ça beaucoup. Ah! Elle est bobo là. Elle regarde dans notre congélateur là-bas. Des portes ici, vraiment. Et puis, tu ne sais pas la chose sur la porte, parce que la porte ici, ça ne fait plus rien de rien. Vous êtes tué la rouge, j'ai aidé la veuve. Avec quoi, ma? Ne pas me dire. Vous avez mal au corps parce que j'ai ma cuisine. C'est tout. Hein? De comment, moi, tu peux avoir ta maman, pas avoir une cuisine comme la mienne, chien. Lâcher ma cuisine. Attendez, c'est ça que ma fille. La cuisine a fait ceci. Hey! Venez alors arracher, vous partez avec. L'entombe qu'on appelle l'esclave, l'entombe, c'est l'esclave en petit, hein. L'entombe. L'entombe qu'on appelle de comment mouguer de laver ses dents pourries. Dans ta vie, tu réfléchis que tu veux manger quoi demain? Parce que moi, je dis seulement pour manger. Si tu n'existais pas.
Baptiste. Dans les bras. Et là, vous allez chercher la vie. Les vieux fait le bien, mais les autres se sont là. Tata, faut voir quand il fait souvent ça. Une bonne voile. Voici nous, élan. Élan, nous aussi. Mais une barre, nous, aux autres. Et mon job, t'es. Tata, les le. Les gens forment leur blog. Tu m'as le nom des gens. Hein? Tout ça parce qu'ils rêvent qu'on va aller voir la soirée. Et les gens, ça n'est plus de table. Hein? Vous êtes obligé de vous rallier. Les mammouths, les besoins, ça. Vous vous ralliez avec qui? Elles sont obligées de se rallier à Facebook. Hein? Obligées de se rallier. À Meta. Pour qu'on les voit. Comme ça, quand elles font les petits misérables vidéos. Hein? Quand ça, comme quand les gens là auront les petits misérables vus, on va les voir. Hein? La fille de maman Anna, la fille de maman Rachel, regardez-vous, vous n'avez pas de parents. Hein? Les gens qui tourbillonnent partout, elles sont là, assis comme les mammouths. Parce que vous ne pouvez pas vivre seul. La jalousie peut tuer les gens. Montrez vos cuisines, non? Commandez. Comme vous êtes dans les teams là, essayez un peu de demander que je fais mon yichi. Qui va vous aider? Je vais commander mon PayPal. Aujourd'hui. Pour me changer d'indier. Parce qu'il faut changer d'indier. Comme ma vie aussi va changer. Hein? C'est obligé que ma vie change. Je suis bien comme je suis, non? Quelle n'est pas la vie de qui a déjà changé là, de panique là? On connaît des gens à Facebook qui ont quelque chose. Toutes ces femmes-là n'ont pas commandé aussi les tout dans les réseaux sociaux. Oh, j'ai fait ma soirée. Les gens qui font leur soirée sont riches. Hein? Tu commandes la soirée du début à la fin avec l'argent des gens. C'est même pas d'avoir ton argent. Hein? Les gens qui te mettent devant pour faire la soirée. Il y a des filles ici qui font des soirées ici avec leur argent et leur pauvre argent. Hein? On est d'accord là? Les gens font des misérables soirées avec l'argent des autres. Et elles disent que ce sont les rapisseuses de balles. Vous rapissez quoi? Hein? Qui ne commande pas ici à Facebook? Maintenant, on cherche maintenant comment chercher l'argent d'une autre façon. C'est facile. On n'est pas venu chanter à TikTok. Vous n'êtes pas plus à TikTok. On vous envoie les lions. Les lions de ça à TikTok. Maintenant, c'est que le mal. Maman, ici, on ouvre les télévisions aux gens. Écoute, la bonne musique dans ma cuisine, la couleur.
êtes un peu joyeux. Naya, vous avez tué tout le jardin. Vous n'avez pas, pas de famille pour fuir aussi. Je vais repasser mes habits aujourd'hui. Moi. Il y a des gens qui aiment se souiller dans les réseaux sociaux. Tu sais très bien que la personne que tu vas attaquer là, c'est une personne qui est connue. Et tu viens m'attaquer. Les milliardaires montent l'argent dans les réseaux sociaux.
Placer ma cuisine. Voilà la lumière, ce que je dois aussi faire la lumière. Voilà la lumière, ce que je dois mettre. Donc Dieu me dit, là où tu as acheté cette cuisine, là où tu as tout fait, si c'est toi qui as placé le coffret ici, je ne suis pas ingrate. Je ne suis pas ingrate. J'espère que ce genre de personnage comme Caroline, vous ne pouvez plus partir chez vous. Cette femme qui a été très sympa avec moi. Quand j'ai commencé à faire ma cuisine ici, elle n'était pas là.
que Kukwemi l'a accouché avec son chum Bakayoko qui est mort. Que Kukwemi l'a arraché Bakayoko. Pour elle, elles sont quand même les dirigeants du monde. Elles connaissent que le grand monde. Je t'ai rien demandé. Quand tu es parti d'ici, je n'avais rien. J'avais pas commencé à faire ma cuisine. C'est moi-même qui a placé tout ça. Avec l'aide d'une femme, Bamos m'a donné 200 euros. Et moi, j'ai trouvé 300 euros. J'ai fait toute la cuisine ici. Vous êtes toujours comme ça ici à Facebook. C'est vous qui venez chez moi ici, je vous accueille. Et après, vous me mettez toujours dehors. Donc, j'espère que l'histoire de cuisine va s'arrêter là. Tu me laisses vivre, enjoy avec ma cuisine. Tu me laisses enjoy avec ma cuisine. Toi-même, tu as une cuisine chez toi là-bas. Toi-même, tu as une cuisine chez toi. Montre ta cuisine, non? Avant de venir arranger ma cuisine, il faut d'abord arranger toi-même ta propre cuisine. Hein? Voilà. Que Dieu te bénisse avec tes bonnes œuvres que tu as faites dans cette maison. Merci beaucoup. Mais, il y a toujours l'évier qui est toujours là. Il y a encore la salle de bain, hein? Que je dois encore arranger, hein? Qu'elle va encore pleurer que les gens me donnent. Tu me donnes l'argent, tu fais tout, tu es milliardaire, tu as arrangé ma cuisine, n'est-ce pas? Et je dis encore pire que, oh, Kunangro, aide-moi, oh, c'est ça. Et je dis encore pire que je fais encore le PayPal. C'est tout le monde qui va montrer que la personne qui m'aide. Les vrais gens qui aident même sont derrière, ne parle pas. Tu voulais te faire voir. Malheureusement, la honte est tombée dessus. Donc, laisse ma cuisine tranquille. Tu m'as apporté la station directe, j'attends la station directe ici. Bon week-end à toi. Et je quitte sur cette histoire. Voilà, je quitte sur cette histoire. Donc laisse-moi enjoy ma cuisine misérable, pauvre cuisine. Et tu t'arrêtes là. Parle de la CNH que madame Moudi qui a démissionné. Ça c'est bien pour toi, ce sont tes gens là-bas. Je veux toujours accueillir chez moi. Je veux toujours accueillir les gens chez moi. Toujours. Pourquoi? On a filmé les assiettes ici, non? On a filmé mes chambres. Ce n'est pas beaucoup. Je veux toujours accueillir. Toujours. Je suis la mère Teresa de Paris. Vous venez. Oui, mais moi, quand j'ai filmé de fort en comble. Voilà encore les espaces ici, là. Ça, c'est un espace que je peux bien. Mais c'est vrai que la porte qui part derrière, mais bon. Je peux quand même bien faire quelque chose ici avec cet espace. Hmm? Cet espace. Le truc que tu as montré, le frigo était placé ici, non? Ou ici? C'est la même chose que tu montres là. Tu étais là quand j'ai fait ma cuisine. Est-ce que tu étais ici, Caroline? Tu étais là, Caroline? Voilà l'espace ici. Ici, là, je peux faire encore l'espace. Parce que j'ai besoin encore, j'ai plein de choses que je dois placer. Ici. Ici. Je peux mettre les choses ici. Ça, ce sont tous les espaces, je peux mettre les choses ici. Demande-moi qui. Voilà, ici, je peux mettre les choses ici. Hein? Parlez de la veuve joyeuse. Laissez comme ça, alors. Ne venez pas. Mais c'est madame Moudi qui a arrangé. C'est madame Moudi qui a arrangé ma cuisine ici. Ma cuisine, c'est pas moi, ça dit j'allais avoir une cuisine américaine. Oui. C'est quoi votre problème? Eh hey, madame, tu as mis le nom des gens dans les réseaux sociaux. Pardon, laisse-moi alors. Je te remercie comme c'est toi qui as accueilli ma cuisine, je te remercie. Parce que c'est toi qui as placé son mur, c'est toi qui as tout acheté, je te remercie. Le bon Dieu va te frapper. Tu attends, non? Il va te frapper. Bon, je vous laisse. Tu m'as laissé. Que ta place dans mes bras. Tu m'as laissé dans un fond, dans une cour d'école. Tu m'as laissé avec ma vie d'avant et ta peau qui me colle. Tu m'as laissé les pages de romans et chaque nuit s'envole. Tu m'as laissé.
Tu m'as laissé quand on jette une lame dans l'enfer d'un fou. Tu m'as laissé, tu m'as laissé comme le savant dans une cour d'éclat. Tu m'as laissé avec ma vie de vin et ta peau qui me colle. Bon. Bisous à tous. Il arrive un voyou dans les yeux, ses amis.